Bonjour, bienvenue à Chasse à pêche au max. Aujourd'hui, je suis avec Denis Rossignol, guide de pêche professionnelle. Bonjour Denis. Bonjour. Ça va bien? Ben oui, ça va très très bien. Une belle journée de soleil. Aujourd'hui, ça m'a fait plaisir de vous accueillir dans le Témiscouata. C'est un merveilleux lac Témiscouata. C'est vraiment une très très belle région. Et puis, on a déjà 325 personnes qui sont inscrites. Le soleil, c'est sûr que c'est une réussite. Fait qu'à partir de là, aujourd'hui, on va utiliser beaucoup de techniques de pêche. Mon but à vous, là, moi, là, c'est vraiment de vous expliquer pêche à bonne rigueur. On va pêcher à la ligne plombée, à la copper. Et puis, ce midi, on se garde un petit 2 heures, manger nos sandwichs, pêcher à la jig, parce que quand on est capable de pogner une truite grise à la jig, c'est magnifique qu'on peut être que. Donc, tout de suite, on va en amour avec la pêche à la jig. Sur ça, les amis, on a hâte de recommencer pour aller à la pêche. 325 personnes ici. On reste à l'écoute, on en revient après. Bon, mais bonne chance, les boys! Yes! Yes! Hey, on va y aller de l'autre aussi, d'abord. Fait que. Oui, votre truc. On se voit tantôt. On pêche. Ouais. Là, tu montes ta canne, tu rilles en descendant. C'est beau. Regarde, une canne, quoi. Et ça a suivi un peu vers là. Ouais. Elle est encore là. Non, on a un premier poisson. On a un premier poisson sur la buis, s'il vous plaît. Ça fait ouais. GoPro. Voilà. Tu payes quoi pour de sortir ça? En avant. Une première grise, tranquillement. Tranquillement. On va plein prendre du moteur. C'est ça. Je vais la masse en présence du moteur. OK. Tu veux encore? Non, on va faire tranquillement ici. Elle est allumée. Tiens, Denis. Il y a la façon que tu veux. Là. Et là? Il y a là de l'autre bord, là, tu peux l'avoir. Arrête encore un peu, monte la canne dans les airs. C'est beau! Oui. Yes! C'est pas pour celle-là, là, mais. Mais, t'as une petite petite. C'est beau, ça. Coria, ça l'a bien pris, Denis. Hein? Wow. Elle monte ça à la caméra. Une belle druide pour Chantal. On lui donne ça un petit mec, Chantal? Oh, OK, c'est beau. Hein? Fait qu'on met ça dans le vivier, mais on va aller faire une belle remise à l'eau. Hey, c'est gros en tabarnak, ça. Oh, tiens ça de main. Ouais, tiens moi ça de main. Fais juste la tenir ronde de main. Ta canne est ronde, correct. Bon, bon. Okay, voilà. Non. Oh, j'en viens. C'est bon, on sort des airs. Monte tranquillement de main, rille en descendant. OK, monte la canne des airs, rille en descendant. Hé, regarde, ça vient, c'est une belle, ça, là. On va regarder la petite prise, mais je vous le dis que c'est une grise de grosse prise, là, tu sais. Continue à faire ça. Oui, tu fais toujours ça. Tu montes, tu rilles en descendant, monte.
Monte de canne, réel en descendant. Monte la canne. Réel en descendant. Monte la canne. Réel en descendant. On monte la canne. Hey! T'as dit, tu vas faire ça comme une pro. Mais t'as passé une journée avec moi, là. Sauf que je vais avoir envie de retourner. Ah, qu'est-ce que tu veux? On donne la piqûre aux gens. C'est ça qui est le fun, hein? Vraiment. Comme première expérience, ça va quand même bien. On est à 60 pieds. Ton regard est à 60 pieds. On a un beau petit live target, un minot. On a un beau minot. On va tranquillement. Ça l'avance-tu? Ben... Oh oui, elle s'en vient. Dès que tu quand t'entends tes clics, ça s'en vient. C'est une belle, je vous le dis, là. C'est une vraiment belle. Je lui ai dit qu'on allait gagner le tournoi. Oui. C'est peut-être pas une grise de tournoi, mais regarde, c'est vraiment belle. Ben... Je vous le dis, je regarde la brise, là, puis... Mais quand même... Peux-tu me préparer la grosse piste, s'il te plaît? Ouais. Ça sert à rien. Juste des fois qu'on, aurait le temps. Mais quand même, moi, j'ai mis mon téléphone à quelque part. Hey, moi, ça me prendrait une photo avec. Ah, c'est toi qui l'as, mon téléphone? Ok. Bon, ça, t'as la tête. Yeah, regarde-moi avec un beau sourire. Oui. Elle veut pas s'en venir. Oh, j'ai confiance que tu vas te tanner avec moi. C'est là que j'ai dû m'accrocher tantôt. Ouais, c'est ça. Je suis un petit peu à gauche. Je suis un petit peu à gauche.
Bien. Belle, belle grise, on va la remettre à l'eau. Ça. On a une belle petite grise ici. Yes. On remet ça à l'eau. Chasse et pêche au max. Wouh! Et c'est parti! Tranquillement, pas vite. Oh, oh, par là, par là, par là. Ça passe en dedans. Passe là, par là. Oh, oh, pas trop. Allez, je suis dans le moteur. Ah, oh, c'est beau, bon. Elle t'a marqué tout seul. C'est vous qui t'a emmené dans l'eau. Belle, belle, hey, c'est une belle noire. Je tiens ça. Ouais, c'est ça. Par chaude. On va vous montrer ça tout de suite, vous allez voir. Avec quelle langue on a pogné cette belle truite. Un beau sauvagier cassé, imitation par chaude. Fait que c'est vraiment ça, c'est un leurre à avoir absolument sur le lac Témiscouata. Ok, on le retourne à l'eau? Yes. Le leurre. Ah ouais? Là. Une belle grise. On est bien, dans le premier trou. Ok, une belle grise comme ça. Yes! C'est beau! Juste à virer sur l'autre côté. Je vais te mettre à côté. Hein? C'est beau! Descends dans ta troute qu'on voit le moule de jungle. Ouais, c'est beau! Ok! Ah hein? Boy! Tiens, là, c'est là-dessus! Tranquillement. Ouais, ça... Oh, ok, ça vient de décrocher là. C'est bon, on regarde. Écoute. Non, tu t'as vernis, c'est beau ça. Ah. On va juste pas trop la pomper par exemple. C'est parti? Ah, yes. Yes, un autre belle grise. Ouais, the four three. Hein? On va s'en aller pour le coup. Ah ouais, c'est ça. On va mettre ta coque là. Tranquillement. Oh, ça s'en vient! Oh, oh, bon, ouais, écoute, elle s'en vient! Elle est encore là? Oh, elle doit être là, hein? Elle s'en vient! On a Captain Morgan, puis on a le Captain Russ! C'est pas toi, sors-là le plus possible vers l'extérieur. Mets le bout de ta canne le plus possible vers l'extérieur. C'est ça. Alors, on va commencer à pas vouloir venir, là. Ah, là, elle évoquée. Évoquée, là, c'est correct. Tu sais, pompe-la pas trop, Bob. Pompe, c'est ça. Pompe-la pas trop, regarde. Hop, là, rentre-la. Là, casse-la pas. Ok, t'as vu. Fais rien que la tenir, rentre-la pas. Fais juste la tenir. On est en dessous ou en dessous? Il y a du vraiment du ça. Bouge pas. Ça va? Non. C'est bon, comme ça. C'est bon, c'est bon. Change de place. Bouge pas. Ah, c'est sûr. Faut pas qu'elle soit dans l'autre, elle va être éteinte. Ah, correct, correct. Passe en dessous. Faut-tu passer en dessous? Oui. Est-ce en dessous ou par-dessus? En dessous? Ok. C'est beau. Passe tranquillement. Tranquillement, pas vite. Laisse-moi un petit coup. La porte, c'est pas tranquillement haut. C'est beau. Un autre petit truc. Regarde, on a un bel truc.
côté à côté? Oui. 60 et... 61, c'est correct. 61. Oh, yeah. Un autre belle truite? Une belle 61 cm. Yeah. Hey. Bonjour, on a une belle photo. Sors-moi là un petit peu ici. Mets ma main en montant. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Bonjour tout le monde, je vous fais un beau bonjour ce matin avec Chasse à pêche au max. On va vraiment parler un petit peu de notre journée d'hier au tournoi du lac Témiscouata. Très belle journée, très beau matin, on a eu 6 prises dans la journée. On a gardé 2 truites légales, c'est quand même très très bien. On s'entend que c'est un 33% des prises légales. Très belle journée, on recommence aujourd'hui. Je veux vraiment vous parler d'Olivier Lévesque. Le président de l'association du club du lac Témiscouata. L'association Chasse-Pêche. Okay. Fait que, vraiment, là, moi j'adore vraiment ce que vous faites. Vous travaillez extrêmement fort depuis, c'est ma 26e année que je suis ici. Qu'on se connaît ou quoi que ce soit. C'est ma 19e année que je suis sur le CA. Fait que ça fait quand même une vingtaine d'années qu'on se connaît. C'est d'emblée ça. Ben, on a connu un petit peu avant. Fait que je veux vraiment que tu me parles de c'est quoi le lac Témiscouata, votre tournoi. Et puis tout l'ouvrage que vous faites pour le lac Témiscouata. Lac Témiscouata, c'est un plan d'eau de 42 km avec la grise de la mouchetée. On avait un problème de recrutement pour la grise. Bon, maintenant, les anciens pêcheurs, il n'y avait plus de recrutement. On n'avait plus de beaux gros spécimens. Puis même en 2013, avec les pêches de recensement du ministère, on n'avait pas de. Le ministère n'avait pas de recrutement. Ça fait que là, un bon moment, ils se sont réveillés un peu. Que ce qu'on chiolait, on chiolait pas pour rien. Fait qu'avec les pressions de l'association, à force de picosser, le ministère a décidé d'embarquer avec nous autres pour une recherche qui est quand même majeure, qui est quand même pas expérimentale, mais c'est nouveau vraiment parce que les biologistes avaient quasiment pas de littérature sur la grise. Il y avait pratiquement, ils savaient pas comment, où ça frayait exactement, comment, le comportement. Fait que là, ils sont depuis présentement, là c'est la 4e année du projet, ils ont étudié, on a trouvé des frayères sur le lac, on a trouvé les géniteurs. Une petite parenthèse, l'année dernière, pour la fraie en nature, le ministère, au lieu d'aller sur le lac Métis, ils sont venus sur le lac Témis parce qu'ils avaient trouvé les frayères. Fait que, tu sais, le positif là-dedans, c'est à partir de 2020, l'ensemencement qui va se faire par le ministère, bien c'est... notre génétique qui va revenir dans le lac. C'est d'emblée ça. C'est un avancement là, assez incroyable de ce côté-là. Ça a été long, ça a été compliqué parce que c'est le ministère, mais à force de travailler. De picosser. J'ai vu là, depuis l'année passée, il y a des filets installés. Oui. Là, pour vraiment, il y a des ça, bouées. Pour, aux 5 ans, les filets, la pêche de recensement. Okay. Ça se fait, c'est incroyable comment que c'est tout est. Déterminé, là, c'est vraiment un protocole. C'est pour avoir tout le temps la constance des mêmes chiffres. Faut pas que les chiffres soient compromettants. C'est ça. Tu sais, mettons qu'ils mettent les filets au mois d'août ou au mois de novembre dans le frais, tu sais, ça vaut pas la même. C'est vraiment tout le temps la même période, les mêmes temps de pêche. C'est ordonné, c'est quasiment pas créable. C'est pour ça que l'année passée, je disais pas de chaud filet. Non. C'est très important de pas de chaud filet. Encore cette année, il y a des balises. Pour la température, les courants d'eau, les bouées qu'on voit, faut pas s'approcher, je le dis, je vais leur dire, faut pas toucher à ça. C'est ça, on touche pas à ça, on va pas faire les curieux, là. Puis il reste que c'est un projet, puis c'est quelque chose qui va aider à tous les autres lacs du Québec, là. C'est ça que... C'est vraiment, c'est ça qui est le fun, parce que ça part du Témiscouata. Fait que, au début, il y avait 4 plans d'eau qui étaient dans le projet sur le marnage des lacs. Okay. Dans 4 régions administratives différentes. Les 3 autres régions administratives, malheureusement, il n'y avait pas la pression populaire d'ici. Okay. La pression populaire, l'association, on a mis 25 000 dans le projet.
pour être capable d'aller chercher du financement de la MRC de la ville. C'est un projet de 350 000 au total. Fait qu'on s'entend que c'est ça. Il va y avoir des retombées, des très belles retombées. Puis si on discute de retombées économiques, on a un tournoi qui a encore 375 inscriptions. C'est phénoménal pour une région que le touriste est ici, mais vraiment pas longtemps dans l'année. On n'a pas 8 mois de touristes ici à Cavalo, au Témiscouata. On n'a pas 8 mois de tourisme, on a 2 mois de touristes. C'est pas compliqué. Dans la région, le tourisme spécialisé de pêche, il faut le développer parce que c'est une économie en soi. C'est ça. Puis nous autres, on fait partie de ça et on va vous aider au maximum parce qu'on veut que la relève. On parle de Fish and Spot, la relève est là. On va donner des techniques de pêche, on donne les leurres directement hier. On arrive à la fin du tournoi. Ça va simplement améliorer tout ce qu'on peut. Fait que sur ça, on te remercie énormément. Continue ton bon travail, Olivier. Merci. Moi, j'aurais une petite affaire que je voudrais rajouter. La mouchetée. Oui. Tu sais, les belles plaques qui sont prises cette année, les mouchetées de 3, 4, 5 livres qui sont prises, là. C'est pas compliqué, c'est vous autres qui nous aidez à les mettre. Plus qu'on a de monde, plus que l'association va faire de profit avec nos activités, on ne met pas ça dans nos poches, on met ça dans le lac. C'est ça. Les mouchetés, les belles grosses mouchetés mauves là, qui sont prises là, de 4-5 livres, c'est des mouchetés qu'on a mis il y a 5 ans. Puis les rouges, c'est des mouchetés qu'on a mis il y a 4 ans. T'sais. Mais c'est plus que vous nous encouragez, plus qu'on va en remettre. Fait que le but là-dedans, à tous les tournois qui se passent au Témiscouata, il faut que les gens participent. Chaque participation va donner vraiment la chance de mettre du poisson dans le lac, puis ça va juste être plus plaisant pour pêcher. C'est développé, puis on est chanceux, parce que la croissance qu'elle a dans le lac est exceptionnelle. La mouchetée de 6 salives, c'est où tu trouves ça au Québec? Non, au sud du Québec, il y a juste ici. Fait que sur ça, merci beaucoup. Merci beaucoup, Denis. Bye-bye. Bye. Bien un beau fishon! Dans la belle vague, c'est que du plaisir! Bien là-dessus, fais juste un tir. La lève, là! Fais juste un tir. Je vais tirer les cannes. Tu vois, je la ramène, là? Oui, ramène-la tranquillement. On va monter un peu pareil. Un beau fishon dans 3 pieds de vague. Oh yeah! On a présentement Chantal sur une ligne. Oui! Chantal sur la ligne. Chantal sur la ligne? Est-ce que vous appréciez la capture d'un poisson, Chantal? Ça, toujours comme ça. C'est bon? C'est bon? Juste le locataire est prêt. OK. Hello! 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 Québec, vous venez découvrir le lac Témiscouata. On se croirait sur le lac Ontario. C'est incroyable, on se croirait à pêcher sur le lac Ontario.
quand même un petit peu dans les airs. Avec un poids de 7,58 livres, une longueur de 73 cm, M. Roch Boily. Troisième position, avec un poids de 8,27 livres, une longueur de 77 cm, M. David Lavoie. Avec un poids de 8,42 livres, 72,5 cm, M. Alexis Caron. Alexis, qui est maintenant qui travaille avec nous, c'est un de nos conseillers dans le domaine de la pêche. Fait que, on vous a très bien conseillé quand vous venez le voir. Un très, très bon petit pêcheur. Tu sais, c'est notre avenir qui est là.
Fait que pour terminer dans la catégorie grise, avec un poids de 8,73 livres, une longueur de 77 cm, M. Louis Pouliot. Monsieur Pouliot, s'il n'est pas là, c'est sûr qu'on va lui faire parvenir son prix. Okay. Juste une petite parenthèse, là, pour la fin de semaine, il s'est capturé 42 grises qui ont été enregistrées au cours de la fin de semaine. Il y a 25 grises qui ont été remises à l'eau. On a constaté qu'aujourd'hui, on avait eu plus qu'hier. Hier, on voyait que ça avait été dur, même aujourd'hui, mais hier, on dirait que ça a été plus dur. Les poissons étaient plus, ont eu plus de misère. Mais 42 grises, puis 25 remises à l'eau, c'est plus de 50% des poissons qui sont dormis à l'eau. Fait que merci encore là, de participer. Dans la catégorie mouchetée, en quatrième position, avec un poids de 2,58 livres, 47,5 cm, Mme Linda Lemay. Avec un poids de 2,70 livres, une longueur de 47 cm, M. Renaud Coulombe. Avec un poids de 3,06 livres, une longueur de 49 cm, Mme Geneviève Rioux. Position avec un poids de 3,52 livres, une longueur de 50 cm, M. Jean-Guy Michaud. M. Michaud, je l'ai vu tantôt, Jean-Guy, il était pas loin. En tout cas, il s'est capturé 16 mouchetés au courant de la fin de semaine. Fait que il n'y a personne qui veut le chèque de 1000. Mais Régent Michaud, me semble que je l'ai vu tantôt. Pas Régent, Jean-Guy Michaud. Parce qu'on va lui faire parvenir le prix. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous présenter toute l'équipe qui s'est déplacée pour la 51e édition du Lac Témiscouata. On a des groupes de chasse-pêche au max et des gens de Fish and Spot. Fait que ça nous fait plaisir et on attend de nouvelles nouvelles en 2020. Yeah! Yeah! Yeah!